Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est mardi 2 décembre. La fin de journée n'a pas été super. Taz, j'ai dû l'emmener d'urgence chez le vétérinaire. Il allait pas bien. Bon, là, ça va un petit peu mieux, hein. Il a fait 3 injections. Donc là, ça va un petit peu mieux. Pour l'instant, faut que je surveille demain. Peut-être que je vais devoir retourner chez le véto ou pas. J'en sais rien. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Quand une merde t'arrive, une deuxième arrive dans la foulée. Là, ce soir, le chauffage est tombé en panne. Et ouais. Pas de bol. Donc, je sais pas si tu vas voir. Voilà. Là, je suis dans le lit à Taz. Il y a ses tapis. Et j'ai sorti, j'ai mis 2 petits coussins au niveau des jambes et des pieds. J'ai pris un duvet et puis, bah écoute, on va dormir tous les deux. Taz, il est. Je sais pas si tu vas le voir. Ah, Taz, il est là. Ouais, il est là, le pépère. Taz, il est un petit peu frileux. Donc, les températures ont vachement descendu là, en l'espace de 48 heures. Donc, j'ai regardé ce que je pouvais faire au niveau du chauffage, vite fait. J'ai nettoyé. 2-3 conneries, un peu de poussière, machin, j'ai fait un reset, j'ai enlevé le fusible pour que ça reparte à zéro, mais il n'a pas voulu repartir. J'ai réessayé 2 fois, donc si tu veux, là, il est plus d'une heure du matin. Donc si tu veux, à une heure du matin, j'ai autre chose à foutre que de bricoler le chauffage. Donc j'ai décidé de dormir dans le lit à Taz. Alors pourquoi je dors dans le lit à Taz avec mon duvet? Ben, parce que je préfère moi dormir dans son lit que lui le faire dormir dans mon lit. Si je le fais dormir dans mon lit et si demain je ne peux pas réparer le chauffage, je vais lui donner une mauvaise habitude. C'est-à-dire qu'après il va vouloir dormir avec moi dans le lit. Donc je préfère moi dormir dans son lit, comme ça ne le change pas et tout. Donc là il est sous le duvet, hein, tu vois. Le duvet il est là, tranquille. Je t'y pépère. Il est calé contre moi, il est sous le duvet, il est au chaud. Donc on va passer la nuit comme ça. Et puis le chauffage, enfin déjà demain matin, je vais voir comment Taz se sent bien par rapport aux petits soucis qu'il a eu. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo ou pas. Et je vais déjà voir comment il va demain matin, s'il faut que je le ramène chez le véto. Ou pas. Et s'il va bien et que j'ai pas besoin de le ramener chez le véto, bah demain je vais m'occuper. Enfin, c'est pas. Il faut que je m'occupe du chauffage parce que les températures ont vachement dégringolé. Bah, si tu veux, enfin voilà quoi. Pas de chauffage dans le camion quand t'es confiné. En plus, ça pue du cul. En plus, là, il a fait moche aujourd'hui. J'ai pas. Ça a rechargé, mais pas super super quoi. J'ai réussi à remonter à un petit peu plus de 90% des batteries. Mais bon, dans l'absolu, le chauffage, quand tu es dans un camion aménagé, que tu es confiné et que tu bouges pas, bah ouais, tu peux pas. Bah, je ne sais pas comment vous faites, vous qui n'avez pas de chauffage, mais enfin, moi, j'ai pris l'habitude avec mon petit Webasto chinois. Bon, voilà, là, c'est le troisième hiver qu'il est en route. J'ai déjà eu une ou deux fois des petites pannes, mais c'est reparti. Mais là, si tu veux, il est un petit peu tard et j'ai pas envie de me casser les couilles en plein milieu de la nuit à essayer de dépanner. Donc, je verrai ça demain. Enfin, voilà, c'était une petite vidéo comme ça, vite fait, très très courte. Eh ben, à suivre. Sur ce, je te la souhaite bonne et puis je te dis à plus tard dans le camping-car.